ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الا اتسمفيرو ان امبوري دال صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان توكا انو ني جات شنو يا سيده تونس دي بي ساكا بونكا ا بو كام يا سوم غاندو ها يملا ساكا يملا ارانديسما كاتابو وتون بي ارانديسما كاتابو تورون دا يبو يا ديماس il y a 9 juillet l'an 2023. On me hawa nga sababa mi kamte zen namba manda ni dik panga bo ngesti ne bon bebe ndat tip tel ba la son ba donc yid la wala pour compan ani kib sa o ti atum bam me handa sing handa tanta yuma yopo et te bo pam ton kon ni ton ga jamba ndi ga son on son kib sa ni pour compan la bo anya mo ha bo san nan di ga ne bon ngo ton son wa kat fa tem to wakat ni wata atia to te ge mo ham pam yam nam man tum de zika wala atia man si wel dra ti atun yi son le on sakre pole pa ha bunda man son ni ti lo pinda e ba nyawo ya tum no le nan ke le me ben dum di on sakre pole wala te bele ga din son ki bsa ani po kopa e ton me si de wa men na wa yi kaset ni tum da da di wini ga son ro da man do se ati antu kasi dia sunu hakika wala yawatun mi handa tira da koyara pomwa pipi tum da men yali hilanga tum wala badan wen nam dina e dina han wawa yem titon tum wen na la di yolo taba la zui tab ni mbanda la man tab ni e yile yawatun ba ma ne taba mo ha antu etili wo pidi isam met misa ya han nam po hodon wen aha la amma e ton ni tab yolo sara mo hado ton zui tab ni mbanda do yawatun kan sa ne taba la ton met ma ni yolo tab la zui tab ni mbanda ayin no fa yahna pilsi dina tum kwa illa wa tun yak dina bale mbi babra yim bale mba babra ta ba ni me pasem kwa wala illa tun pira da tum da usro ati nam man do sun ko sakare mba eti abam me boy ya bam me til dim nyinga bam tesong me ni bam ba nyinga da ba wani tum da kaw ntin etin wani san sake ananya zabo anam man rame ko sakare mba eti abam me zuno la woto wani nam sakare pole eni do ni fa hantel da tum da abi zin hin zare abi zin him pe e tum kan ay handa tia tilo ya sita bi saka ponka e la saka ya wadro wadro me ya burkina faso ajin la ya burkina faso la hampama ya wadro jil ya burkina jil la hampama kwa o mo hombe wer ning fa bi mo do tum kan ta ba ayalre in kien saka sa pon in kien tenga fa won san sake e bamba san wu soya ton me nga pam da lafi men merci allah subhanahu wa taala pour nous avoir réuni ce matin pour sa cause. Ensuite, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser sans salut et sa miséricorde sur le nouveau prophète Mohammed alayhi salat wa salam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont embarquer sa parole jusqu'au jour de la résurrection. Alors donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi, être parmi ces gens-là. Alors donc, pour revenir à votre question, alhamdulillah, aujourd'hui c'est un grand jour. Vous voyez, c'est un jour où nous inaugurons ici, sur place ici, alors le moulin. Alors, un moulin qui a été conçu et qui a été installé et pour la cause des orphelins et des veuves. Donc, l'organisateur de cette journée inaugurale, et c'est l'organisation des jeunes musulmans pour l'entraide sociale. Alors, dans un groupe de jeunes qui, à un certain moment, ont pensé qu'il fallait effectivement que les musulmans songent, comme certains musulmans également ont changé, n'est-ce pas, aux veuves, aux orphelins, comment les soutenir. Parce que ce sont des gens qui sont dans des situations difficiles, des situations un peu critiques. Et l'islam nous commande effectivement d'avoir un regard bienfaisant envers ces personnes-là, les plus démunies de la société. Alors donc cette association-là vise effectivement, a pour objectif, pour but effectivement de venir en aide, de secourir vraiment ceux qui sont les personnes en des situations de détresse, comme les veuves et les orphelins. Donc c'est ce qu'on peut donner comme structure qui a organisé cette journée-là. Alors donc c'est effectivement disons que l'association à un certain moment c'était pas une association en tant que telle, c'était un regroupement, mais à un certain moment ils ont vu la nécessité de créer, n'est-ce pas, l'association pour que l'association ait un récipicier pour pouvoir agir, n'est-ce pas, sur le plan national au Burkina Faso ici. Et pour l'instant je pense que la manœuvre se situe en fait ici à Tanguin et également à Somgandé, également vers Katriyare. Donc, pour un peu de précision, nous avons ici 53 familles orphelines inscrites sur notre registre.
plus de 127 personnes, c'est-à-dire orphelins. Voilà, donc voilà un peu notre champ d'action. Okay, donc, comme activité qui a été réalisée pour le moment ou bien pour les années antérieures, pour résumer un peu, il s'agit là des dons que nous faisons, n'est-ce pas, chaque fin d'année, c'est-à-dire le mois de décembre. On essaie de donner surtout les vivres en nature, également la scolarisation de certains orphelins en situation difficile qui n'arrivent pas à avoir de quoi s'inscrire à l'école pour continuer leurs études. Donc l'association essaie de prendre en charge ces gens-là. Voilà, également pendant le mois de Ramadan, on essaie de voir, passer par des voies et moyens, toujours en passant par les bailleurs, également en passant par les personnes dont Allah SWT a fait grâce, n'est-ce pas, d'argent, pour qu'on parle vers ces personnes-là pour demander leur appui, avoir de quoi donner à ces veuves, à ces orphelins-là, de quoi avoir en fait la nourriture pour le souhour, également pour la rupture de leur jeûne. Voilà, donc ce sont des activités qui nous ont surtout les dons en nature. Voilà, également sur la scolarisation des enfants. Et donc, pour l'appel, vous voyez, on a dit que ce sont des jeunes qui l'ont organisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas un financement extérieur qui vient pour le moment. Non, non. Le financement, c'est à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que la structure s'ouvre également à toute personne et prie également de la cause des plus démunis. Donc, il y a des fiches qui sont là que toute personne peut prendre, n'est-ce pas? Que tu sois musulman ou non, tu pourras prendre ces fiches-là ou tu vas indiquer combien tu peux donner par mois et on va enregistrer. Voilà, là tu contribues effectivement à soutenir, n'est-ce pas, les familles orphelines ou bien les orphelins et les veuves. Donc nous lançons vraiment cet appel à tout le monde sans distinction. Voilà, donc vous pouvez d'une manière ou d'une autre contribuer vraiment à l'épanouissement, n'est-ce pas, des familles orphelines. Alors, donc il y a des fiches qui sont là également. Et tous ceux-là qui peuvent donner à travers des numéros également, et ils peuvent effectivement nous revenir pour cela. Donc on lance un appel à tous de venir se joindre à nous pour la cause des orphelins et des veuves.